Et bonjour tout le monde. Alors on continue aujourd'hui les petites batailles. Si on peut continuer, si la guerre continuera avec les Azeraïs, on va en faire en tout cas un maximum. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Ouf, alors eux on va les éviter. Eux on va les éviter aussi. Lui je crois à 110. J'étais à 80, va falloir que... Ils m'ont tout pris mes meilleurs ou quoi? Non, ça va, là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'il me fallait exactement? 32 infanteries vont à distance, il me faudra de l'infanterie. On va peut-être retourner un petit peu. Ouh. Ah ben, il y en a combien ici? Il y a 30 défenseurs. Non, mais sérieusement, les gars. Voilà, attaquez-les. Je vais même venir vous aider. Partez. Je vais quand même attendre qu'ils attaquent. 338 sur 215, c'est parfait. Alors. Je crois que je n'ai pas tout le monde, mais... Moi je suis là. On va voir comment ça donne. Alors déjà, on va pouvoir les avancer. Ouh, attention. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont combien là? 17. Allez, on y va. Et si je peux le tomber celui-là. Tant pis. Infantry, move! Arrow, forward! Raiders, hear me! Onward! Dommage. Ouh, ça va faire mal. Ça va. Ça fait du monde. C'est magnifique. C'est bon, j'envoie directement les cavaliers, la cavalerie. Oulala. C'est bon. Les archers, on va les laisser à distance. Ça c'est à moi. C'est des alliés. Où est-ce qu'il y a des ennemis? Ils viennent tomber, ils sont là. Allez, allez! C'est pas mal. Il veut pas tomber celui-là. Hein. Il a une bonne armure. Je pense que c'est un chef. Vous voyez tomber. Ah bah non. Qui est-ce qu'il reste? J'en ai perdu 3. Aïe. On a un 1 en bas. On va se tenter celui-là. Mais non, tu m'emmerdes, toi. Voilà. Où
où est le dernier? Voilà, c'est bon, il est tombé. Trois morts. Alors, ok. Voilà. 74-181, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, on a quand même pas mal de choses. J'ai gagné un niveau, c'est parfait. J'avais dit qu'il me fallait de l'infanterie. Pitié, il n'a pas de bouclier, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas de bouclier, ça ne m'intéresse pas. Vigla, lancier vlandais, pas mal. Sergent vlandais, pas mal. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre encore? Le mercenaire. Ouais, on pourrait le prendre. Il m'en faut encore deux. Vas-y, on va prendre celui-là. Et puis un dernier. Non, pas un pillard. Sœur épéiste. Allez, vas-y, on va prendre une sœur épéiste. Ça va bien. 81 sur 81, c'est bon. On augmente quand même bien nos troupes. Allez, vas-y, ceux-là, on va les augmenter aussi. On perd un peu de chevaux, mais c'est pas grave. Ça, c'est bon. Ceux-là, c'est bon. Allez, vas-y. Hop. C'est tout bon pour moi. Ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, c'est juste limite. Pas beaucoup mieux. Ça, c'est mieux. Les bottes, non. Bouclier. Il est plus lourd, surtout. Mais ça va bien. Donc, la cape. Ça, non. 35-5-5, ça on va quand même changer. Ok. Et la dernière, on devrait quand même avoir quelque chose de mieux. Ok, on prend tout le reste et c'est tout bon pour aller vendre. Au moins, ils n'ont pas repris le château. J'ai gagné un niveau également. J'avais dit qu'il fallait que j'augmente quelque chose. C'était quoi? C'était ça. Alors, juste pour voir quand même. Ouais, ça augmente pas grand chose. Qu'est-ce que. Ouais, mais il va quand même falloir que j'augmente. Si j'en ajoute un, je vais pouvoir aller à un niveau supérieur. Le charme, on est déjà. Ah bah on peut quand même monter encore un petit peu. Augmenter les gains de relations avec le sexe opposé, augmenter les femmes avec le même sexe. 2% de chance par jour d'augmenter vos relations avec un notable aléatoire de même sexe au sein de votre de la colonie. Et la même chose pour ici. On va mettre le sexe opposé, même s'il y en a un petit peu moins. Intendance, les gages du groupe diminuent de 5%, les coûts de recrutement sont réduits de 15%, le groupe consomme 10% de nourriture, moi je vais prendre ça. Et puis, va vraiment falloir que j'augmente quelque chose.
Mais la vigueur, le charme, c'est quoi, c'est social? Sociabilité, oui. Les commandements, ça aurait été bien de monter aussi. Pour le charme. Allez, vas-y, on va faire ça. Ça va m'être utile aussi d'utiliser du charme pour recruter des autres vassals. Enfin, des vassaux. On va attendre ici un petit moment. On va voir également si on peut améliorer la forge. Ouais, là, on a un à 35. On va déjà regarder ça. De toute façon, il va falloir que je fasse de la vente. Pour le moment, je vais garder tout ça. On va vendre le reste. À 12 000, plutôt intéressant. Augmente la vitesse de déplacement des troupes, augmente la précision des armes à distance. Est-ce que j'ai quelqu'un? Il va falloir que je voie aussi ça. Bois dur, j'en ai qu'un. Ouais, il me faut quelqu'un en fait qui utilise des arcs et qui passe chef de groupe pour les archers. Je vais quand même voir si on a quelqu'un ici. Il y en a Mata l'exilé avec l'arbalète. On va quand même regarder si on peut trouver quelque chose pour elle. Mata l'exilé. Est-ce qu'on a des arbalètes ici? Pas vraiment. Ok, donc on n'en a pas. Ça sera pour une prochaine fois, faut que j'y pense. Et la forge. Je vais faire fondre ça. Oui, c'est justement pour ça que je l'ai fait fondre. Enfin, que je l'ai verrouillé. Et après, je peux plus. Ok. Sept, 36, il faudra que ce soit moi. Voilà, 37, on va pouvoir se reposer un petit moment encore. Très bonne, non? Pas très bonne la prospérité. Alors, ok, on arrête. Est-ce que c'est bon maintenant? Là, c'est tout bon. On va pouvoir forger une arme. On va voir. Alors là, c'est surtout le poids, la portée de l'arme. Donc, la portée de l'arme, on n'a pas mieux que ça. 116. Ici. Elle est juste énorme. Elle est juste énorme. Là, on va pouvoir également améliorer la portée. Animal 81. Et ça va diminuer. On va tenter. On en a 2, 3 en moins. Pourquoi je ne peux pas forger? Je ne possède pas tous les matériaux. Ah ben oui, il me faut encore du bois. Combien coûte cette arme du coup que je viens de forger? À 119? Bah dis donc, c'est vraiment très mauvais. Va falloir que je récupère du bois. Là, c'est bon pour le poids, on est tout bon. Ici, on a 69 et 78. C'est très bien. On va aller chercher un petit peu de troupes. De troupes ennemies. On a besoin de faire des batailles. Alors, ça, on évite. Ouais, je sais que vous voulez venir me péter la gueule. Je suis un peu
C'est un peu trop facile pour vous. 287, on va les aider. C'est plus sûr. Bon, de toute manière. Et j'ai plus que ça que marché quand même. J'en ai 20. Ah, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Et en cavalerie. Faudra que ce soit moi. Ici. Voilà, ils sont loin quand même. Et les autres, je pense qu'ils devraient venir. Batman, move! Archers! Forward! Bounce! Onwards! Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se planquent ou est-ce qu'ils débarquent? Apparemment ils débarquent, mais les autres par contre ils ne bougent pas. Hop hop hop! Demi-tour tout le monde! Si les autres se planquent, c'est pas moi qui vais venir. Hein. Oh bah tiens, d'un coup ils attaquent. Infanterie. Alors l'infanterie, on va se mettre un peu avec les autres là-bas. Bowmen, forward, cavalry, move. Horse bowmen, get moving. On va s'ajouer comme ça. Il s'y fout tout seul celui-là. Débarque là. En fait, on va reculer là-bas. Les autres, je sais pas ce qu'ils foutent. Pourquoi ils courent maintenant? Ils foutent quoi? Je fais un petit peu le lâche. C'est très bien comme ça, voilà. Je vais perdre des troupes, mais au moins je suis avec les autres. Les troupes ne vont pas se faire décimer non plus. Sont les ennemis. 222. Ah, les ennemis s'enfuient, d'accord. J'en ai perdu 0. Nickel. Ils sont plus que 97. Mais d'où ils viennent les 200 et quelques là? J'en ai vu 200 là de troupes, j'ai pas compris. Bon. Je sais pas ce qu'ils vont faire, donc je vais suivre hein, le même mouvement qu'eux parce qu'ils vont se planquer encore là-bas. Mounted archers! Forward! Est-ce qu'ils viennent? Apparemment oui. Footmen, hear me! Move out! On peut tous mettre ici. Arrows! Move! Là, on va les planquer là. Alors, mais j'ai pas regardé. Je pensais que c'était les troupes, mais en fait, c'est qu'ils étaient à 222 mètres. Infantry! Form a wall! Archers!
ont quand même 26. Alors attendez, attendez-vous. On cesse le feu. Choquant. Ouais. Mon Dieu, c'est qu'ils sont tous là-bas, les archers. C'est pas moi. Ok. Je n'ai pas perdu encore. Nickel. J'ai pas vendu mes prisonniers. C'est bête. Complètement oublié de le faire. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Je suis pas sûr. Hein. On va retourner là-bas, il faut absolument que je retourne revendre ces prisonniers, absolument. Là je suis plein. La nourriture, je suis bon également. Avant ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ça ne m'intéresse pas. Intéressant. Je perds quand même, je suis quand même à 821 hein, en gage. Ah ouais. C'est énorme. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre? Bah déjà toutes ces merdes. Ça et ça, le reste on va fondre. Ça on va revendre ici. On a sûrement quelque chose d'intéressant pour quelqu'un. Bon, ben non, apparemment pas. Tant mieux, ça me fait des sous. Ils ont récupéré du bois. On va à la forge. Et on va forger les armes. Alors, c'était quoi? C'était celle-là. J'avais dit celle-là. Juste pour voir quand même ce qu'il y a de mieux. Ça, ça ajoute de la portée. Ouais. Ouh. 119 là, très clairement. 121. 87, 88 vitesse des stocks. Allez, vas-y, on prend ça. Ok, on va ça faire comme ça. On a gardé la même chose.
Ok, je vais arrêter là. Juste pour voir. Ça donne exactement la même chose. Et en commerce. Ok. 753, ça fait pas grand chose, mais bon. Comment vont mes troupes? Ça a l'air d'aller pas trop mal. Ici, ça n'a pas bougé. On va pouvoir continuer. J'ai bien revendu, on est bien d'accord. Oui, c'est bon. Et j'en ai 84 cette fois. On va rester à 81 pour le moment. C'était qui ça? Avec les villageois. Mais c'est qu'ils avancent. 79. Est-ce que j'arriverai à l'échapper? Oula, 80. Je vais bien échapper, mais seul. J'ai pas beaucoup d'archers par contre. Les prochaines troupes, ce sera les archers. Hein. Ils sont marrants quand même. Hein. Là, t'es mal barré. Bon. Je voulais me les faire seul, mais bon. Et là, ils sont toujours à distance. Warriors! Move! Archer! Onward! Horse! Forward! Horse archers! Get moving! Ils sont quand même bien loin, hein. Pas plus ils ne vont pas avancer apparemment. Warriors! On arrows! Move! Arms! Move out! Horse forward! On est quand même deux fois plus nombreux, donc forcément. Quatre archers. Ça ne s'empêche pas de tirer et de me toucher. Horses, raise your shield. Et c'est qu'ils attaquent là avec leurs chevaux. J'ai envie d'envoyer mes troupes comme ça parce qu'après ça part vite n'importe comment. Thank you.
la boucherie. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Ah, puis ça, j'ai oublié ici. Il y en a resté au loin. Pas de mort, parfait. Et pas de blessés non plus. Mais j'ai eu deux retraites. Tu rigoles. Faris Azerai. Et soldats d'infanterie vétéran impérial, ok. Misérable. Il nous reste 3-2. Encore 2. % du butin. Prisonnier, qu'est-ce qu'on a monté? On va monter ça pour le moment. Ouh. Je trouve ça quand même moins joli. Hein. Mais on va mettre ça quand même. Oui. Pour la même raison que j'avais changé avec mon personnage principal. Pour le reste, ouais, moyen. Celui-là, j'ai changé. Celui-là également, mais je pense que ça va être la même chose après. Ou presque. Vas-y, on va changer celui-là. Là, on va dire qu'on a mieux quand même. Et puis on va changer ça aussi. Ok, le reste on prend. On va revendre des prisonniers comme d'habitude. Mais j'aimerais bien avancer et faire un petit peu autre chose là quand même. Parce qu'on reste toujours dans le même coin à faire les mêmes batailles. Alors certes, ça augmente ma renommée. Mais c'est un petit peu lourd quand même. Et on va quand même regarder aussi s'ils ont... Est-ce qu'ils ont... Je pense qu'ils n'en ont toujours pas des arbalètes. Non. Ok, ça fait toujours 3000. Revendre les prisonniers. À 900. Et puis là, ça sert à rien parce qu'ils ont pas de place. Je pense qu'il va falloir, je vais quand même les revendre là-bas pour voir, et puis ça va augmenter ma réputation envers les nobles qui dirigent Ortizia. Ça pourra m'être utile un jour. Et j'ai vu que j'ai gagné quelque chose. Ah oui, c'est un niveau que j'avais gagné, non? Faux, c'était pas un niveau. Les troupes d'infanterie dans votre groupe gagnent 10% supplémentaire de l'XP total gagné après une bataille, augmente la limite de garnison dans les colonies gouvernées de 30, et vos troupes d'infanterie gagnent plus 2 XP par jour, les gages de la garnison dans les colonies gouvernées sont réduits de 5%. Et c'est ça qu'il faut que je réduise absolument, mais au maximum par contre. Parce que ça va me coûter une petite fortune tout ça. Lui, je vais pouvoir me le faire. Ah bah on est en guerre, donc prépare-toi au combat. Infantry, get moving. Move, arrow, move out. Mount, onward, horse up, forward. Ok, Go. On va voir si on peut trouver une arbalète aussi pour ce, pour la fille, la femme, qui pourrait diriger. Move. Directement les archers. Ok, j'ai compris. On va avancer. Ça sera pour notre gueule.
Je trouve que c'est triché, mais bon. Ah ouais, quand même. Infantry, get the archers. Move out, horsemen. Move. C'est tout bon. Il y en a deux qui sont très mal, très très mal. Encore, mais dis donc, j'arrête pas de gagner des choses là. Ça va commencer à devenir embêtant. Non. Non. Et non. Ok. On va en ville. En plus, on a même droit à une petite arène. Je vais peut-être en profiter aussi de le faire. Ah donc, avec l'arc, vous attaquez à l'arc, ignore 10% de l'armure de l'ennemi, c'est pas mal. Les troupes équipées d'un arc dans votre formation ignorent 5% de l'armure. Et réduit la pénalité à la vitesse de déplacement lorsque vous rechargez de 50%. Ouais, les troupes équipées d'un arc dans votre formation gagnent plus 3 à leur vitesse de déplacement. On va prendre celui-là. Et je crois que c'est tout pour le reste. Ensuite, il va falloir attendre un petit moment. On va regarder, on va vendre les prisonniers. Il faut voir également si on peut trouver une arbalète. Allez, là, j'en ai 4. Il faut absolument qu'il y ait de la place. Ah, mais non, mais c'est pas des alliés, je peux pas. C'est con. Tant pis. Je pourrais en recruter, mais là, il n'y a rien. En commerce. Est-ce qu'ils ont des arbalètes ici? Oui, apparemment, ils en ont. Donc, c'est pour elle. 16 000, laisse tomber. 3 000 pour le moment, ça va très bien. Et il me faut des carreaux d'arbalète. Les meilleurs sont celles-là. Ok. Donc, à 5 100 quand même. Hein. C'est pas rien, on va prendre du bois également. On entre dans la forge, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Ah oui, mais il me faut du bois, je suis bête. Bon, tant pis. Dommage pour la reine, elle a disparu. Et je pense que c'est tout bon. Ça, je vais quand même vendre. Ok. À ce niveau-là. On va quand même attendre un petit peu, il faut absolument qu'on remonte un petit peu la vie. Allez, là on est bon.
On va pouvoir partir. Ouh, dis donc, mais c'est qu'ils avancent beaucoup là quand même. Ah, c'est pas grave, on va les aider. On va voir ce qu'on peut faire. Enfin, on va voir ce qu'on peut trouver surtout. Ah oui, il y avait des troupes que je voulais recruter. Bon, c'est pas grave. Je continue comme ça. Il me reste quoi? Encore 10 minutes? Est-ce qu'on a des troupes intéressantes dans le coin? Non, par contre, on a une arène, mais ça ne m'intéresse plus vraiment. En troupe, on a lui. Mais il me fallait surtout des archers, en fait. Et là, ils en ont pas vraiment. Pas d'archer, non, pas d'archer. On va faire avec. Caravane. Non. Ils attaquent quand même deux châteaux, hein. Oh, ça c'est intéressant. Stop there, stranger. Et on attaque. Allez. Peut-être la dernière bataille d'aujourd'hui. J'ai toujours pas plus d'archers, hein. Ça n'a pas changé. Ok, on va pouvoir avancer. C'est toujours un petit peu les mêmes, la même carte. Alors, les archers, eux, par contre, ils vont avancer, ça c'est sûr. Ils sont quatre. Je m'en suis bien loupé. Par là-bas aussi. Oulala, oulala, oulala. Hear me, guild for warriors. Get the moment. Forward, onward. Je suis mauvais. Il y a encore les deux cavaliers montés, archers, cavaliers montés. Allez, encore un là. J'aurais parié que c'était bon, mais bon. J'ai tout faux, on peut avancer. C'est lui qui m'a chopé. Riders, him forward. Horse archers, move out. Soldiers, onward. Arrows, move. Hear me! Onward! Foes! Move out!
Forward! Arrows! Move! Troops! They're moving! Horse! Move out! Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? Lancier Sturgien, Sergent Vlandais, et Vétéran Varteg. Ok, le Vétéran Varteg, je vois pas ce que c'est. Donc, prisonnier. Qu'est-ce qu'on a augmenté ici? Lancier Vlandais. Ça, j'ai besoin. Et ici, on a quoi? Ouh! On a encore mieux. Et puis... Augmentation de la vitesse de déplacement des troupes. Et ça, c'était réduction des dégâts à distance. Ok. Eh ben, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a gagné? Intendance. Toutes les troupes gagnent plus de XP au quotidien. Les gages de la garnison diminuent de 5%. Et les troupes de niveau 4 gagnent 4 XP et plus 5 mises par jour. On va mettre ça. Est-ce que... Oui, on va mettre ça comme ça, c'est parfait. Et cette fois-ci, je vais re-rentrer là-bas et je vais arrêter après avoir revendu un petit peu tout ce qu'il fallait. Et en plus, nous avons une arène. Je n'ai malheureusement juste pas assez de temps. Alors, moi je pense que je vais tout revendre là, c'est bon. Ah, ouais, non, c'est bon. Si toi, tu n'as rien d'intéressant, si quand même t'as ça. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Et pas pour toi. Ok, on va mettre ça. Commando. Succès déverrouillé. Ça vient de sortir comme ça. Ici c'est la même chose, ici c'est la même chose. Ok, sinon pour toi tu n'avais rien. Apparemment pas. Hein. Ok. Donc tout le reste on peut vendre. Ça fait quand même 14 000. Déplacement des troupes, armes à distance, déplacement des troupes. 0,08. Ok, ça je vais pouvoir vendre. 14 903. On va vendre également. Ça, c'est quoi? C'est la même chose. Ça n'a pas changé. Ok. On va attendre ici un petit moment parce qu'il va falloir faire remonter un petit peu notre allié. Enfin, mon compagnon plutôt. Ok, Lucas s'est enfui de mon groupe, tant pis.
J'ai pas vraiment eu de rançon pour lui. Où est-ce qu'on en est là? Allez, 44%, je pense que ça va être bon. Avec une petite promenade et puis ça ira très bien. Ici on a combien? Toujours à moins 807 et j'ai 68 sur 88. 78 sur 88. Non, c'est pas ça. Recruter les troupes, on a que de la m. Et je vais arrêter là. Donc je vais faire une petite sauvegarde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!